très très contente d'être ici aujourd'hui, la seule femme qui parle à part Madame Lemaigre, donc c'est très chouette d'être là. La première question que j'aimerais vous poser, en fait, pour que vous puissiez contribuer à la conférence, c'est qui parmi vous a déjà pris au moins une fois dans sa vie un médicament sous prescription ? N'ayez pas peur de le dire. Donc voilà, donc je m'adresse en fait à un public qui utilise d'une manière indirecte, on va dire, nos services, parce que comment, je pense que quand vous avez dû voir notre nom apparaître sur le petit programme, vous avez dit, mais qui c'est Covance? Ah oui, il me semble qu'ils sont amérins, mais je ne suis pas sûre ce qu'ils font. Peut-être c'est du pharma, mais en fait, non. Et Covance, c'est une société qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. Notre mission, c'est d'améliorer la santé, améliorer les vies, et c'est d'amener en fait des solutions innovantes en matière de médicaments aux patients dans le monde, et ce rapidement. Et ça, c'est en fait notre corps de métier. En tant qu'organisation, pour vous donner une petite perspective et aussi pour mieux comprendre en fait les sujets que je vais aborder tout à l'heure, parce que c'est assez intéressant, vous pourrez croire qu'en fait on s'est totalement concerté avec Thierry de savoir de quoi on va parler, parce que le sujet de ma conférence, c'est comment se réinventer perpétuellement au service de la pérennité. Mais avant de pouvoir vous partager avec vous les initiatives, ou en tout cas deux initiatives que nous avons décidé de mettre en œuvre sur le site de Genève, je pensais que c'était important que vous compreniez qui nous étions pour mieux saisir en fait les enjeux auxquels nous faisons face. Donc Covance en fait appartient à LabCorp depuis 2014. LabCorp est une société américaine basée aux États-Unis qui est spécialisée dans tout ce qui est analyse diagnostique. Donc c'est ce que j'appelle volontiers ici le Unilabs ou DianaLabs des États-Unis. Il y a plus de 110 millions de patients qui sont vus régulièrement, on va dire, dans différents pays. Ça, on couvre 60 pays, donc on est localisé mondialement. On est à deux divisions distinctes. Donc, quand LabCorp a racheté Covance, a décidé de maintenir le nom de Covance, et ce que je dis souvent, c'est un peu quand Migros a racheté Globus. Il n'y avait aucun intérêt d'appeler... on va dire Globus Migros, et de garder le branding de Globus de manière à pouvoir valoriser la marque et ce qu'ils avaient racheté. Et LabCorp a fait la même chose avec nous. C'est notre chiffre d'affaires, ce chiffre en milliards, est proche du 10 milliards de dollars. Et on représente plus de 50 000 employés dans le monde. Au niveau de Covance, on est organisé en différentes divisions. Je vous passerai les détails. Mais à Genève, on est la division laboratoire centralisée. Donc, notre corps de métier, c'est vraiment de fournir tout le matériel nécessaire aux médecins qui vont pouvoir avoir des patients qui testent les nouveaux médicaments, et ce, dans le monde entier. Et on rapatrie par courrier les échantillons dans nos laboratoires. On fait les tests d'analyse et on rend les résultats aussi bien aux médecins patients qu'aux sociétés pharmaceutiques pour lesquelles nous travaillons. C'est pas moins d'un million d'échantillons qu'on reçoit tous les mois. Et notre chiffre d'affaires est d'environ 3 milliards de dollars. Et c'est 15 000 employés localisés dans un peu plus de 60 pays dans le monde également. Pour ce qui est du laboratoire centralisé, comme je l'ai dit, on est localisé à Genève, mais on est aussi, on a différents laboratoires dans le monde. Le plus gros laboratoire est à Indianapolis aux États-Unis. Et à Genève, on existe depuis 25 ans. On va fêter cette année-ci nos 25 ans d'existence sur le site de Genève. On est localisé à Mérin, juste à côté de Firmenich, donc on fait du covoiturage de temps en temps. et c'est pas moins de 700 employés qui sont localisés à Genève. Et pour vous donner un peu une cartographie du type d'employés qu'on a ou du type de responsabilité, la plupart sont dans les laboratoires et opérations, et le reste est dans la gestion du client. Avec différentes délignations de rôles dans la gestion du client et des projets pour les clients. Et je rappelle, les clients sont les sociétés pharmaceutiques. Notre corps de métier, c'est vraiment de fournir, comme j'ai dit, des
test de laboratoire, on a des lignes qui assemblent tout le matériel nécessaire pour pouvoir prélever des échantillons. Et si vous avez déjà été prélevé, si on peut dire ça comme ça, dans votre vie, ben, c'est les tubes de prélèvement pour le sang, ça peut être des urines, c'est des biopsies, ça peut être du crachat, ça peut être des selles, c'est tout type d'échantillons, on va dire, qu'on reçoit. Et on a trois types de flux. C'est des échantillons qui arrivent de manière ambiante chez nous, réfrigérés ou congelés. Et congelé, ça arrive avec de la glace sèche. Donc voilà pour vous donner un petit peu une cartographie. Quand on m'a posé la question d'adresser le sujet de la compétitivité en Suisse et comment on se situe par rapport à cette compétitivité, nous, on va dire, on a eu le bon problème, si on peut dire ça comme ça, qu'on a eu une croissance qui était vraiment constante. En même pas 4 ans, on a doublé nos effectifs sur le site de Genève. C'est un site qui nous appartient, plus de 20 000 mètres carrés. Et pour nous, la compétitivité, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il y a la théorie, enfin, on va dire, il y a le concept et la définition telle qu'on peut la trouver, on va dire, ne serait-ce que sur le web, dans les définitions du WEF, telle que l'a décrite Thierry. Mais pour nous, en fait, elle s'est plutôt traduite, et ça, c'était un des sujets abordés aussi, c'est comment on reste pérenne dans un environnement hyper compétitif alors qu'on a de la croissance et qu'on sait. Et ça, je veux dire, c'est une évidence, je l'apprends à personne, qu'on est dans une région qui est hyper chère. Et surtout quand c'est des Américains qui vous lisent vos comptes de pertes et profits, on va dire, et qu'ils regardent quels sont leurs coûts de fonctionnement aux États-Unis versus en Suisse, eh ben, il faut vraiment valoriser, on va dire, ce qu'on arrive à faire ici. Et Madame Le Maigre aussi a vraiment touché sur un des points qui, pour nous, était essentiel, c'est comment amener de la productivité et accroître notre productivité tout en maintenant une qualité de service et accroître la rapidité à laquelle on va délivrer des médicaments innovants sur le marché. Finalement, c'est ça qu'on cherche à faire. Et une des réponses. Donc, je vous donnerai deux cas de figure. Donc, j'ai décidé de traiter les choses d'une manière assez pratique et aussi quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dans vos propres sociétés. Moi, je réalise bien que je suis dans une multinationale. Vous avez vu les chiffres, on est un gros groupe. Mais comment, en fait, en tant que PME, vous pouvez accéder à mettre en œuvre certaines parties ou certaines des initiatives que je vous propose ici. La première initiative, elle est liée à l'automatisation. Alors, quand on voit automatisation, on pense souvent à de la robotique, au remplacement de l'humain. Comment on va faire, on va dire, pour pouvoir automatiser des tâches. Pour nous, en fait, elle s'est traduite par différentes phases. Et c'est autant de rendre le travail moins pénible pour les gens qui opèrent dans les opérations pour nous, mais aussi comment rendre des tâches qui sont hyper répétitives beaucoup plus simples. Et on a choisi en fait autant une automatisation que j'appellerais digitale. Donc, c'est dans comment on met en place des systèmes qui auto-valident des résultats plutôt que d'avoir un humain qui passe à travers des feuilles et des feuilles. Et je vous laisse imaginer, à l'époque, on utilisait encore les imprimantes avec les petits trous à côté. Et comment on a quelqu'un qui, chaque fois, validait, on va dire, des résultats, alors qu'en fait, une machine peut le faire. Et s'il y a un doute, la machine peut dire aussi, enfin, quand je dis machine, c'est un software, peut dire, mais il y a un doute, il y a quelqu'un qui doit valider manuellement le résultat. Et ça, c'est une des premières choses qu'on a implémentées déjà depuis 2008-2009, de pouvoir avoir une auto-validation des résultats. L'autre partie de l'automation, c'est comment on peut créer un assemblement des kits. Ça, vous le voyez, on va dire, dans cette partie-là. C'est comment on va pouvoir assembler du matériel dans une petite boîte et éviter d'avoir l'humain qui le fasse, de manière aussi à accroître la qualité et la rapidité à laquelle on peut fonctionner. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Après, sur Genève, on a aussi fait le choix de pouvoir, avant, là, ce que vous voyez là, c'est une machine en fait qui trie les tubes, là, c'est tout de la même couleur, qui trie les tubes et qui aussi sépare le contenu du tube automatiquement entre différents autres tubes. Avant, c'était quelqu'un qui faisait tout ça manuellement. Et avec une cadence, je viendrai une fois visiter Cauvon, je vous invite très très volontiers, c'est une cadence de fou. Tout le volume de travail qu'on reçoit, c'est, on va dire, l'équivalent d'un Boeing 747
qu'on reçoit en paquet tous les matins, d'ici 11 heures, la quasi-totalité doit être livrée au laboratoire. Et ils arrivent à 7 heures le matin. Et donc, de pouvoir automatiser ces tâches, c'est aussi essentiel. Mais ce que vous pouvez voir ici aussi, et ce qui est super important pour nous, c'est que, comme vous voyez au milieu de la slide là, c'est que forcément, on a gardé l'humain. Je veux dire, pour nous, l'automatisation et de dire c'est une manière de faire fi et d'éliminer des postes, ben que nenni en fait, parce que l'automatisation permet aussi de créer et de redéployer des rôles. Soit on introduit des nouvelles compétences en introduisant des nouvelles personnes au sein de l'entreprise, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est surtout que ça se fait vraiment en gardant le capital humain et en redéployant les gens sur différentes tâches. Ce que ça a permis, et le chiffre magique pour nous, c'est le chiffre 2. Et c'est assez intéressant parce que je ne savais même pas qu'il existait avant d'avoir fait préparé la présentation. Mais fondamentalement, ce chiffre 2 est vraiment essentiel. Ça nous a permis, on va dire, de doubler le volume de travail qui se fait par mètre carré. Donc je vous imagine, enfin pour certaines personnes qui connaissent mieux que moi le coût du mètre carré sur Genève, hein, qu'est-ce que ça signifie de pouvoir doubler le volume de travail sur un même mètre carré et de ne pas avoir à, on va dire, négocier vis-à-vis de notre société américaine, de dire, bah voilà, vu qu'on a double de volume, il faut doubler le volume d'espace. Et doubler le volume d'espace, ben, ça amène d'autres questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va faire ça? Nous, on possède le bâtiment qu'on a à Mérin. Il n'est pas extensible plus que les murs, on va dire. Ça nous a permis aussi de rendre les résultats 2 heures plus tôt que prévu. Et ça, c'est aussi essentiel. On vit dans un monde où c'est des patients qui sont extrêmement malades, pour la plupart, qui ont des cancers. Eux, ils ont l'habitude d'avoir généralement le résultat assez rapidement. Nous, c'est 24 à 48 heures en fonction d'où les échantillons viennent, où les patients sont testés. Donc, de pouvoir rendre les résultats le plus rapidement possible et d'éliminer 2 heures dans le processus, c'était essentiel. Et un troisième élément qui est vraiment super intéressant aussi, c'est la sécurité. C'est que en ayant mis en place de l'automation, ça nous a permis de diminuer de 50% les incidents liés au fait que les gens devaient ouvrir les boîtes manuellement avec des cutters, allaient très vite en faisant ça, et en ouvrant, on va dire en séparant le liquide qu'il y avait dans les tubes, dans différents tubes, il y avait un risque d'exposition à du liquide, du liquide humain ou des échantillons humains qui soient contagieux. Donc tout ça nous a permis de aussi sécuriser, de rendre, on va dire, la pénibilité ou de diminuer la pénibilité du travail pour le personnel. Et ça s'est fait sans réduire le personnel sur site. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Pour pouvoir mettre, on va dire, cette automatisation en œuvre, il y a 3 éléments clés qui sont vraiment essentiels. La première chose, c'est ce qu'on appelle un livre blanc. C'est-à-dire, il faut définir une stratégie. Il faut savoir ce qu'on cherche à faire, comment on veut le faire. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif? Sans stratégie et sans ce qu'on appelle un white paper ou bien un livre blanc, c'est difficile d'implémenter quoi que ce soit. Le deuxième point, ce qui est aussi essentiel, et ça on l'a mentionné aussi précédemment, il faut investir. Je veux dire, l'automation ne se fait pas sans investissement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on installe pour 10 millions d'instruments sur nos opérations. Il faut vouloir investir pour pouvoir améliorer non seulement la vie du patient, mais aussi la qualité de travail de nos employés. Et le troisième élément essentiel, c'est que ça ne se fait pas sans les personnes. Alors, c'est certes, on a toujours cette crainte, on parlait des peurs, de dire « mon Dieu, mais ça va changer, mais mon Dieu ne veut pas faire ». Même chez nous, c'est moi qui gère les opérations, c'est moi qui ai implémenté à Genève toute la chaîne d'automation qu'on a au niveau des opérations. Les gens, ils étaient super fiers de pouvoir ouvrir un carton à la seconde et avec un cutter. Je veux dire, c'était vraiment leur corps de métier, c'est ce pourquoi ils ont été engagés. Ils ont vraiment eu très, très peur quand on a décidé d'introduire que ça soit une machine qui coupe les cartons. C'était là, mais finalement, on va nous enlever le ce pourquoi on est ici, ce pourquoi on est fier et ce en quoi on contribue pour l'amélioration de la vie et des patients. Et ça s'est fait aussi avec un bon processus de changement et de leur montrer quelle est la valeur ajoutée et finalement que ça leur enlève de la pénibilité. Ça nous a permis aussi d'acquérir des nouvelles compétences au sein de nos opérations et au sein de notre entreprise avec des gens qui, ou on va dire du personnel qui n'était pas là avant, qui a pu travailler pour nous. Et ça déploie aussi toute une palette, on va dire, de rôles qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir développer
déployer ce type-là de stratégie. Ça va de la gestion de projet, ça va avoir des analystes qui sont capables aussi, parce que comme tout système, il y a des bugs de temps en temps, de débugger le système de manière à ce que ce soit le plus linéaire possible. Tout ça, c'est vraiment essentiel. Voilà pour le premier sujet au niveau de l'automatisation. Le deuxième sujet est plutôt un sujet, on va dire, personne. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des personnes? Comme je vous ai dit, on a doublé le nombre d'individus qui travaillent et d'employés qui travaillent sur le site de Genève en même pas 4 ans. On est passé de 300 personnes à 700 personnes. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'environnement de travail? Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les années, enfin, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à travailler, ce qui était essentiel pour nous et ce qui était très valorisant, c'est d'arriver dans une nouvelle société et qu'on nous installe un bureau, qu'on nous mette un PC, dans le meilleur des cas, un téléphone. Et puis ça, c'était vraiment, on rentrait à la maison, on dit, ah ouais, alors j'ai mon bureau, j'ai mon PC. Et c'était vraiment un gage qu'on était vraiment introduit dans nos nouvelles entreprises. Et puis, quand tout d'un coup, on doublait le nombre d'effectifs ou des nouvelles personnes arrivaient, on va dire, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, comment on peut densifier le nombre de personnes qu'il y a au sein du même espace? Et ça s'est vu, en fait. Nous, on travaille au Japon. Et je peux vous dire qu'en fait, les normes entre les différents pays de la densification du personnel au sein d'un même espace, elles sont très, très différentes. Et pour avoir travaillé en Chine et aux États-Unis, je peux dire que l'espace vital autour de soi n'est pas tout à fait le même qu'en Suisse. Donc on se disait, mais est-ce qu'on peut appliquer les normes japonaises en Suisse? Ce serait quand même intéressant parce qu'on pourrait gagner de la place, ce serait top, on pourrait mettre plus de monde. Mais finalement, en fait, non. Parce que ce dont on s'est rendu compte, et ça c'est un chiffre qui est apparu au sein de Covance, mais vous seriez étonné en fait de faire le même type d'analyse dans vos PME et je dirais PME à plus ou moins grande taille, c'est 40% de votre espace n'est pas utilisé. Et c'est quand même hallucinant, parce qu'en fait on crée de l'espace pour créer de l'espace vide et qui ne sera pas utilisé. Donc, nous, on s'est dit, mais c'est quand même intéressant. Et pourquoi il n'est pas utilisé? Parce que les gens sont en vacances, quand même régulièrement, 25 jours, 20 jours en fonction. Parfois, ils sont malades. Parfois, ils sont en formation, ce qui est bien aussi. Ils sont en voyage d'affaires. Et on se rend compte, en fait, que, on a une utilisation d'espace qui est quand même assez intéressante, mais à quoi ça sert de construire de l'espace qui sera peu utilisé? Donc, nous, la manière dont on a décidé de répondre à ça, c'est par deux, on va dire, biais différents. La première chose, c'est de répondre et de s'aligner, en fait, à une émergence, et ça, Thierry en parlait avant, une émergence de vouloir, de nos employés, de nous-mêmes, enfin, je veux dire, on est employés aussi, d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et professionnelle, et comment aménager et introduire le télétravail. Comment permettre aux gens de pouvoir travailler depuis la maison d'une manière confortable, conforme. Nous, on travaille dans un milieu hyper régulé où la confidentialité est hyper importante, donc ça se fait pas non plus sans rien. Mais de dire, voilà, il y a le télétravail. Et la deuxième chose, c'est pour tout l'espace qui n'est pas utilisé, comment on peut maximiser l'utilisation de cet espace en permettant différentes personnes de partager le même espace en fonction de quand est-ce qu'ils seront au bureau ou pas. Donc ça, c'était notre réponse, on va dire. Qu'est-ce que ça nous a permis fondamentalement? Au niveau de l'employé, c'est plus de flexibilité. Que ce soit un homme ou une femme, c'est vrai que c'est une tendance plus féminine de dire est-ce que je peux rester à la maison, est-ce que je peux travailler depuis la maison. Ça me permet d'avoir une meilleure adéquation entre aller chercher les enfants à la crèche, les amener chez le médecin et autres. Mais c'est aussi, on va dire, une dimension qui concerne les hommes. Je veux dire, de plus en plus d'hommes veulent, et ici je suis assez contente d'avoir un parterre plutôt masculin que féminin, mais quand même quelques femmes, mais c'est aussi une volonté d'un homme de pouvoir plus s'impliquer sur des tâches familiales et aussi d'avoir un équilibre, ne serait-ce que de pouvoir aller faire du sport, de ne pas passer une heure. Là, le lundi du jeune genevois, du lundi du jeune fédéral était à peu près catastrophique pour les gens de Genève qui rentraient dans le canton de Vaud. 2 heures pour rentrer entre Genève et Nyon. Je veux dire, c'était assez intéressant. Ah, tout le monde est parti forcément à 6 heures le soir. Mais disons, si on peut éviter ce genre de choses, c'est quand même assez intéressant. D'où le deuxième point, c'est moins de déplacements. On serait halluciné de voir qu'en fait, 10% de moins de personnes sur les routes, en fait, c'est la période d'été. 10% de moins, alors qu'en fait, on a l'impression qu'il y a 50% de moins, voire 70% de moins de personnes qui circulent, c'est juste 10%.
en juillet-août. Donc imaginez un petit peu si, en fait, en favorisant le télétravail, on permet aux personnes qui doivent vraiment se déplacer, ça aussi c'est toujours la question, oui mais moi je travaille comme ambulancier, télétravail je ne connais pas trop, ou je suis infirmière, télétravail c'est pas tellement pour moi, ben oui, mais en fait ça permet aussi à des gens qui doivent se déplacer, soit pour de la maintenance, soit pour de la santé, soit pour plein d'autres raisons, d'avoir un accès plus libre, on va dire, au transport. Et le troisième élément, qui est quand même une des choses recherchées pour nous, on va dire, c'est moins de coûts. Mine de rien, chez nous, ça nous a permis de retarder 2 millions d'investissements de 2 ans. Rien qu'en implémentant, on va dire, une politique de télétravail, il y a 15% des personnes chez nous qui bénéficient du télétravail, et ça libère ce fameux 40% de places de travail qui sont nouveau partagées. Donc c'est pas anodin à réfléchir. Je me rends bien compte que c'est pas des solutions qui sont forcément adéquates pour tous les typologies de PME, mais ça reste intéressant à évaluer. Mais pour ce faire et pour mettre ça en œuvre, un des points essentiels, en fait, pour nous, ça a été une stratégie de changement, enfin, de comment on fait la gestion du changement. Parce que d'une manière très, très intéressante aussi, les gens sont très favorables à pouvoir travailler depuis la maison. Ça, c'est pas trop un souci. Par contre, de partager son espace de travail, ça nécessite, on va dire, un tout petit peu d'aménagement, d'amener des avantages pour des désavantages, parce que les gens sont très, très sédentaires, mine de rien. Ils aiment bien leur place de travail. Leurs photos, leurs plantes, d'avoir leur cadre, parce que c'est ce qui leur permet d'être efficient. Il faut, je veux dire, aussi reconnaître ça, c'est que si tous les matins vous passez 20 minutes à chercher où est-ce que vous allez vous asseoir dans le bâtiment, ben, ça devient aussi impossible. Donc on doit aménager, on va dire, ce desk sharing, comme on l'appelle. Ça doit venir avec un processus de changement, ça doit venir avec comprendre quelles sont les craintes, les peurs, les contraintes que certains rencontrent, et ça, c'est essentiel. Le deuxième point essentiel, et ça, on l'a touché aussi un petit peu avant avec la quatrième révolution industrielle, elle vient aussi avec la capacité de pouvoir travailler d'une manière virtuelle, c'est-à-dire de donner l'accès depuis la maison, comme si j'étais au bureau, j'ai accès à tout. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je téléphone depuis mon laptop et depuis le Wi-Fi. Et la technologie me permet de faire ça, ce qui fait que je peux téléphoner depuis la maison. Les gens, c'est totalement transparent qu'ils m'appellent, en fait, à la maison. Et puis, ça me donne un confort aussi de travail, parce que j'ai accès à tout. Et ça, c'est essentiel, je veux dire, le travail depuis la maison est essentiel. Nous, on est une grosse, grosse boîte, comme je vous ai dit. On a énormément de contraintes en matière de sécurité. Ça, c'est vraiment une garantie qu'on doit avoir. On parlait du hacking, on se fait ficher à peu près une fois par... Enfin, on a des actes de phishing à peu près une fois par semaine. Donc, il faut être hyper attentif par rapport à ça. Dans les PME, il y a des solutions beaucoup moins onéreuses que les nôtres, beaucoup moins contraignantes, qui existent aussi pour pouvoir tout mettre sur un Google Drive, partager, protéger comme il se faut, et d'avoir des gens qui peuvent partager tous les documents, toute l'information, et d'être accessibles avec des technologies qui sont vraiment peu onéreuses. Et le troisième point aussi qui est essentiel, et ça, ce sera aussi un petit peu mon point politique ici, c'est que ça doit venir avec un cadre. Je veux dire, ce qui est important dans une entreprise, c'est de maintenir une équité, d'avantages qui est donné à tous les employés. Chez nous, comme vous avez entendu précédemment, on a des gens qui travaillent dans les opérations laboratoires, qui touchent des tubes tous les jours, qui analysent des tubes. Évidemment, pour eux, le travail à la maison ne va pas être totalement possible. Je veux dire, c'est une évidence. Par contre, pour tous les gens qui sont dans les bureaux, comme on dit chez nous, ça, c'est quelque chose qui est totalement accessible. Donc, on met un cadre de travail par rapport à ça. C'est important de dire maintenant sous quel cadre les gens peuvent travailler. Le travail à la maison, ce n'est pas une manière aussi... On va dire c'est une manière de pouvoir offrir une opportunité, mais il faut que ça soit organisé. Vous demandez aux gens de signaler quand ils sont à la maison. Il y a quelques années en arrière, quand on avait introduit ce concept, les gens avaient l'impression que parce qu'on travaillait à la maison, c'est parce qu'on était malade ou on n'était pas bien, il ne fallait pas nous déranger. Et en fait, non. Je veux dire, il faut aussi changer ce mode opératoire, de dire, moi, c'est comme si j'étais au travail, mais simplement, je suis dans un autre lieu. Moi, j'ai l'avantage de travailler avec des équipes qui sont basées aux États-Unis, on va dire en Allemagne, en Angleterre, en Asie, ce qui fait que pour eux, à partir du moment où je réponds au téléphone, c'est pas très important où je suis, on va dire. Mais je peux comprendre qu'en étant le site lead de Genève, par contre, l'accessibilité, la visibilité que je dois avoir sur site, elle est importante. Donc, c'est de trouver un bon équilibre.
Ce qui est aussi important, c'est que, étant en Suisse, nous, 60% de nos employés sont frontaliers. Et la contrainte vraiment qu'on a, et ça c'est quelque chose qu'on a discuté avec M. Maudet à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas avoir des gens qui travaillent plus de 24,95% de leur temps en dehors, on va dire, du territoire suisse. Et ça c'est une sacrée contrainte pour nous, parce que quand on cherche à vouloir être productif, à être efficient au niveau des coûts, d'avoir ce type-là de frein, alors qu'on peut déployer à peu près 50%, on va dire, au maximum de ce qui est viable, ben, c'est comment on arrive à aménager et à négocier pour pouvoir faire différemment et pouvoir maintenir notre compétitivité ici, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un petit peu la deuxième option qu'on a mis en œuvre. Et comme je l'ai dit, entre la première solution qui nous a permis de doubler la capacité ou le volume de travail qu'on effectue par mètre carré, cette solution-là nous a permis en fait de retarder de plus de 2 ans un investissement de presque de 2 millions sur le site de Genève, ce qui n'est pas anodin. Et nous, vraiment, notre corps de métier, comme j'ai dit, c'est le laboratoire, et c'est d'allouer le plus de place possible au laboratoire et aux opérations. Donc quand on pose la question entre compétitivité ou pérennité, il y a la définition telle qu'on l'a entendue et les critères clés de cette définition. Mais finalement, pour nous, je dirais que fondamentalement, elle se traduit par comment on peut mettre en place une stratégie de minimisation des coûts. Comment on fait face, on va dire d'une manière positive, hein, je dis face pas d'une manière négative, mais comment on fait face à une croissance et on est intelligent face à cette croissance. Et si on continue à grandir avec des anciens modèles, on va droit au mur. À un moment donné, la question s'est posée, je pense que vous me poserez la question après, mais la question se pose régulièrement pour nous quand on amène des demandes d'investissement à hauteur de 50 millions, 60 millions pour continuer à offrir nos services depuis la Suisse, eh bien, la question se pose toujours, mais est-ce que c'est le bon endroit pour investir? Est-ce que j'ai envie de mettre les plus 50 millions, 100 millions en Suisse? Est-ce que je ne ferais pas mieux de les mettre ailleurs? Et c'est à nous de valoriser ça. Donc c'est pour ça qu'on cherche vraiment à rester hyper productif, à mettre des processus, on va dire, d'amélioration de processus continu, de continuer à investir ici, c'est essentiel, et de maintenir les talents, parce que ça c'est finalement ce qui est important, et de réaliser que l'écosystème va au-delà de la géographie ou des frontières géographiques genevoiso-suisse, on va dire. Pour nous, je veux dire, le pool d'employés qu'on a viennent de l'étranger pour une petite partie des États-Unis et d'ailleurs, mais c'est beaucoup l'entier de l'arc franco-suisse qui nous permet de fonctionner ici. Donc, au fait, ce qui est essentiel aussi pour nous et nos besoins, c'est d'avoir des politiques qui favorisent le maintien, la souplesse dans notre écosystème. Et ça, on doit dire, on a une chance énorme avec la promotion économique qui est vraiment un très, très bon partenaire pour nous. Je sais que M. Maudet, pour avoir participé à des petits déjeuners, est vraiment très intéressé. Il y a M. Schneider-Hamann l'année passée qui voulait aussi entendre quelles étaient nos problématiques, nos contraintes, comment ils pouvaient nous aider en tant que multinationales. Alors c'est vrai que l'intérêt est sur les multinationales, mais c'est la même chose pour tout le reste du pool économique ici. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi de travailler de concert et de travailler ensemble, en fait, à résoudre les problématiques ou les questions qu'on se pose de manière à assurer notre pérennité. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en interne et en microcosme, on va dire, à l'intérieur de l'entreprise, mais on ne peut pas le faire si le monde économique et politique extérieur est trop contre nous. On va dire d'être le saumon qui remonte, on va dire, la rivière à contre-courant, ça va un moment, mais je veux dire, on s'épuise et puis ce n'est pas étonnant qu'il y a d'autres décisions qui devront s'imposer à nous si on n'a pas un environnement favorable. Mais je dois dire que pour l'instant, ça a été très... très concluant et on va dire on a un bon échange à ce niveau-là, donc ça c'est très bien. Donc voilà pour ma présentation.